Zodi, nous vous guette ce qui va arriver dans la semaine, nous vous guette l'actualité dans la semaine. Et donc Zodi, dans la conférence de presse Résistance et Alternative, on a camarade Yann Jacob qui fait assister son, on a Jean-Yves Chabon-Moutou, on a Pougan Parapen et moi-même Aïcha Soubrik qui préside sa conférence de presse là. Donc, aujourd'hui, nous pouvons aborder des questions réparées, puisqu'il nous fait prévoir, et l'indépendance de la Banque Maurice lui-même. Nous pouvons aussi créer l'actualité de la semaine qui est bien mouvementée, et c'est camarade Pougan Parapen qui vous commente l'eau sur l'actualité là. Donc, sans plus tarder, nous pouvons passer camarade Jean-Yves Charvenoutou qui vous cause l'eau réparée. Et l'indépendance, la Banque Maurice. Aïcha. D'abord, nous avons compris pour commencer la conférence de presse, pour une raison bien simple, c'est qu'il s'assisait important qu'il nous faisait aborder l'eau et pour être là. Et une nouvelle information qui nous sortit l'eau mauricien grand matin, qui vient aggrave, de notre point de vue, de la situation. Et que c'est important qu'il nous prenne connaissance de cette information-là avant qu'il nous rentre dans sa explication de réponses. Mes excuses pour ce retard. Donc après sa baisse dans réponses annoncée par la banque Maurice le 6 septembre dernier, par 50 points, Résistance et Alternative remet en question l'indépendance de la banque Maurice lui-même. C'est tout qu'on nous connaît qui, ben, association, ben, exportateur, fin siècle, un document officiel avant ben, l'autorité dans la semaine qui préside, qui précède sa baisse-là, et dans lequel une demande baisse justement de l'intérêt, de directeur. Nous tenions, avant qu'il nous rentre dans problème là-même, nous tenions à rappeler la Banque de Maurice qui disposait d'une institution totalement indépendante, et qui, ça, l'indépendance, elle est cruciale pour l'environnement socio-économique de nos pays. Donc, quel intérêt d'un exportateur pour demander une baisse réparée pour faire lobby en faveur d'une baisse réparée? Dans un contexte international, que tout une économie, une grande économie, peut soit maintenir les réparées comme elle était ou peut augmenter, le résultat, sa baisse qui Maurice a décidé là, pour une dépréciation, pour résister à une dépréciation de la roupie face à une devise référence comme un dollar américain, euro, éclipse sterling, que nous devons dire que soit de maintenir, réparer à ce niveau actuel ou de baisser, ou je peux augmenter. Nous, nous pouvons choisir pour baisser, donc prenons une conséquence de valeur roupie face à sa même devise référence là. Donc, du coup, sa baisse réparée en fait, il y a une dépréciation déguisée de la roupie. Donc, nous tenions à rappeler la Banque de Maurice qu'il est supposé, comme on me disait tout à l'heure, un institut indépendant, nous pour revenir là tout à l'heure. Alors que, bon, nous faisons cause de l'intérêt de mon exportateur. Puisqu'ils ont fait un lobby pour baisser ça, alors que l'intérêt, c'est que ça baisse là, il y a une, comment dire, une dépréciation déguisée de la roupie. Et du coup, augmente, revenu par l'exportateur, quand je convertis le turnover en roupie, forcément, le turnover pour augmenter quand il y a une dépréciation de la roupie. Et parce qu'il y a de l'or ou euro pour vos plus roupies qui ce qui y était actuellement. Et en fait, c'est autres modes qui ont augmenté, sans aucun des autres efforts, ça veut dire sans aucune augmentation de production ou investissement, autres modes augmenté 10 lots de l'essence. Donc, c'est une profitabilité qui montait. Donc, même si, comme on dit, je parle, augmente de la vente, avec tout ban critère actuel qui reste stable, je profitabilité augmentée parce que j'existe pas ça de l'essence. Donc l'élite économique ça paye tout le temps en fait depuis l'indépendance réclame un roupie faible. C'est base tout le temps je peux réclamer un roupie faible.
et que ça lui servit uniquement l'intérêt d'un gros capital. Quand il a un gros billet faible, il servit uniquement l'intérêt d'un gros capital, d'un capitaliste bibon, un capitaliste qui besoin d'un bibon pour être capable d'investir, pour être capable de faire business. D'une manière générale, une dépréciation lui bénéficie à 1% de la population. Et qu'il est là, 99% des résultats, je besoin payer les conséquences. À différents niveaux, dépendant que vous étiez dans les selles sociales, vous payez sa conséquence-là. À ce l'autre côté médaille, sa décision-là, c'est qu'il y a importation pour une piscine. Dans un pays qui impose presque 80% sur la consommation, c'est forcément nous, consommateurs, qui pour payer. Donc, conséquence, capitalisme biberon, une plus riche ou une plus misère. Parce qu'au pouvoir d'achat, il dégringole ensemble avec valeur européenne. Donc, vous venez plus misère, capitalisme libre, vous venez plus riche. Nous aussi, dans un pays, quand souvent, le plus gros exportateur là, vous êtes même le plus gros importateur. Donc, vous êtes pour récolter, même des gens qui pour récolter un profit énorme, l'autre de l'intérêt, ça va même des gens là pour passer. L'autre côté médaille là, ça veut dire importation, c'était une ligne pissée. Il ne faut pas ça là. Quand on va le supermarché, tu vas le produit importé pour augmenter dans le mois qui peut venir. Résistance alternative, bien inquiet par ça, une espèce de rôle BOM, comment dire, qui agit comme un rabestin face à un lobby puissant. Donc, la bonne décision qui concerne le pays, il ne prend pas dans une institution publique, il prend dans le secteur privé et qu'après, l'institution reste tout sa même décision. Ce qui est encore plus incompréhensible de sa décision-là, c'est que la Banque des Maurice lui-même peut dire comme ça qu'il y a un problème d'inflation. Que l'inflation est plus fort que ce que tu peux voir. Dans ce communiqué, il dit ça, que l'inflation est plus fort que ben, l'autorité le prévoit. Qui vous prend l'inflation pour mois de juillet 2017 ou qui vous prend one year to year inflation à juillet 2017, le plus fort qui s'est que tu prévois. À ce qu'il y a là, conséquence, et si tout prix montait, mais tout connaît qui peut arriver. Et la Banque de Maurice précisait que sa hausse de l'inflation là, en juillet, et qui peut continuer là, est dû à hausse dans cigarettes, l'alcool, et que, principalement cigarettes, l'alcool avec diesel d'essence. Il précise ça dans ce communiqué. Donc, mais forcément, plus cigarettes importées, ça veut dire, nous prenons le problème là. Distributeur de cigarettes pour une augmentation des cigarettes encore, bientôt. Prochain exercice, Pricing Committee, Petroleum Pricing Committee. Mais quand il faut convertir de l'or en roupie, nous gagnons roupie, nous gagnons un litre d'essence qui coûte plus cher à rester sur un moment ou un autre, il faut passer l'eau. Car il va passer tout de suite, mais il faut passer l'eau après. Quand il est fini, quand il est parti, il nous connaît comment le Pricing Committee va aussi. Si il y a un os, il y a qui me dit, à un moment, il passe tout l'eau en seul coup. Donc, on ne peut pas trouver qu'il y a la Banque de Maurice pour combattre l'inflation. Il peut dire qu'il y a un problème d'inflation et puis là, il peut prendre une décision qui peut encore empirer la situation. Aussi, on connaît qu'on baisse l'intérêt, mais si vous avez un petit cash dans la banque, vous avez un tiers ou dépenser, qui vous gagne moins d'intérêt. Donc, vous pouvez dire aussi, ah oui, mais ça, du monde, ah, vous avez économisé, dépenser. Consommer, dépenser, même si prix consommation là pour une piscière. Mais consommer, arrêter d'économiser, tout cela dans l'intérêt qui s'en va. En fait, si vous êtes bien, tout sacrifice et des efforts que vous faites, ça va gagner l'année là, pour faire un petit progrès là où la vie. Mais à ce moment-là, on arrive bien pour tout ce qui vous permet d'accumuler comme progrès, on arrive bien pour remercier gentiment dans la même un gros capitalisme bidon. Là, on arrive à ce moment-là, c'est la décision du gouvernement. À ce moment-là, quand vous êtes Maurice Grandmatin, c'est le champ. Grand matin, Mauricien a annoncé que le gouvernement décide de mettre en place un export support scheme qui pour garantir un taux d'essence de 3 ou 34 roupies 50 à un exportateur sur les 6 prochains mois
avec un plafond de 250 lots sacs de l'or qui va exporter. Pour engranger, pour être exporté, ça veut dire que l'industrie textile vend ce t-shirt, le gouvernement peut garantir un prix. Si comment dire, client a payé 33 roupies, ou pour payer 1,50 euros, le sac de l'or qui va l'exportateur pour engranger. Y compris d'ici, textile, touriste, ou pour le support, tout ça dans l'industrie qui habite à faire gros profit là, qui roule gros le dos, qui amène la vie de Pacha. Ou pour le support, ça va dire que la occupation du support de Castilla. Donc, l'information de ce matin, l'IVINZI confirme le fait que le gouvernement décide pour prendre une casse pour soutenir les exportateurs, les gros capitalistes. À ce stade-là, l'information du Mauricien ce matin, il estime que sa scheme-là, l'OSIS, concernant à 1,5 milliard. Donc, préparez-vous pour payer 1,5 milliard. C'est un qui me dit tout sacrifice qu'on a fait pendant ma dernière année pour une fin de progrès. Préparez-vous à ce que vous donnez, remettez gentiment dans la main du ben, capitalisme. 1,5 milliard, vous avez payé. L'OSIS pour ça, moi. Tout ça là, en attendant que la dépréciation déguisée vienne effectif. Donc, parce que sa dépréciation déguisée, là, il va pas vienne effectif tout de suite. Lui. Et, comme je dis, jusqu'à quand matin, tu prépares, moi pour une dire, comme ça qui dorment pour 5 mois, vous pouvez payer. Mais le Mauricien vient dire, nous, quand matin, il n'a pas nous qui n'ont tout de suite tout de suite. Tout de suite parce qu'il a un subside de 50 lots de l'or. Extrêmement grave, ça, mon camarade. Ça veut dire 5 de l'or qui pourront dans la caisse. Ben, l'industrie exportation dans Mauricien. Ça veut dire ben, du monde qui exporte d'ici, ben, du monde qui est dans l'hôtel, ben, du monde qui est dans l'usine textile, sac de l'or qui se prend engranger dans 6 pour 5 mois, qui pourront dans une plaquette, ou pour petite fois, bien payer jusqu'à 2,50 le sac de l'or. Donc il n'y a pas moins, c'est dépendant, qui taux de l'or à ce moment que tu peux vendre. Là, c'est l'Ivani, le 33 roupies, ou vous avez 1,50, si l'Ivani, le 34 roupies, ou vous avez payé 50 sous. Si l'Ivani, le 32,50, vous avez payé 50. Le 32 roupies, vous avez payé 50. À la qui le gouvernement peut faire, comment dire, peut annoncer pour progrès sa pays. Et ils vont rappeler que dans sa 1,5 million, là, 450 millions PAL pour l'industrie sucrière. Dans 6 prochains mois, ça va me faire mal. Dans 6 prochains mois, 450 millions roupies pour sortir dans le poste la population poêle dans la caisse d'industrie sucrière. 1,5, les restes poêles, soit dans l'industrie ben, propriétaire d'usine, soit ben, propriétaire l'hôtel, l'hôtel du Lyon. En fait, nous, tu peux discuter avec le média qui s'est déguisé, dépréciation déguisée là, comment dire, une taxe indirecte qui permettait l'eau à la population. On va dire une taxe indirecte parce que d'un côté, on peut payer vos produits plus cher, de l'autre côté, ce qui est importé pour ramasser profit plus beaucoup. Là, vraiment, elle est encore plus loin. Si nous parlons, après sa dépréciation déguisée là, une taxe indirecte, mais ce qu'il a annoncé, c'est qu'il a annoncé, c'est qu'il a annoncé grand matin, mais ça fait 5 ans, nous avons décrit, il y a une taxe directe. Parce qu'il s'en a absolument direct dans vos poches. Donc, à la côte de non seulement, on va dire, nous pouvons payer pour l'augmentation de profitabilité de l'exportateur, quand la dépréciation là est effective, en attendant que la dépréciation là est effective, ben, nous pouvons payer directement. Et puis la caisse de l'État nous vous paye directement en attendant qu'il devienne effectif. Alors, la Banque de Maurice il justifiait sa baisse-là par le fait qu'il augmente l'investissement dans le secteur productif. Nous tout connaissons qui, parce qu'il toujours là les rapports, il y a plusieurs articles de tout bas de la presse. Qu'il y a un excès de liquidité dans Maurice, il y a une nouvelle globale. Je suis tout le courant qu'il y a un excès de liquidité dans le marché mauricien. Quand il y a un excès de liquidité dans le marché,
et qui vous peut faire, vous pouvez peut-être réparer pour faire l'argent une plus accessible à mon investisseur. Il y a une contradiction là, il y a un problème. Parce qu'il désert un beaucoup de passe qui peut circuler, liquidité qui est en circulation. Donc, ça veut dire qu'il y a une casse qui besoin encore investir, qui n'est pas encore investi, pour faire casse avec encore plus accessible. Donc, ici, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il va observer dans rien, parce que l'économie là, il absorbe sa liquidité, c'est liquidité là avant. Donc, il y a un coup d'épée dans l'eau. Donc, l'explication de la BOM n'est pas tenir la route. On arrive à la conclusion que c'est l'intérêt de sa baisse-là, c'est pour augmenter la profitabilité des mal exportataires à nous frais. C'est-à-dire nous qui pouvons payer ça. Donc, nous, pour appel la Banque de Maurice à donner une explication claire, parce que ça va l'explication qu'il nous donnait là, il est clair qu'il est dans les pays noirs, dans son propre contradiction. Parce que ce n'est pas une décision qui peut combattre l'inflation, alors qu'il peut dire que l'inflation est un vrai problème. Et qu'il y a là qui fait, nous, la population, nous faisons payer pour le manque de créativité, d'intelligence pour gérer un business. Nous faisons payer pour ça. Et là, pour le fait qu'il va être capitaliste, pas besoin d'en faire aucun effort. Pareil pour moi depuis l'indépendance, et même nous parlons plus loin, en 1810, les colons français à l'époque, ils trahirent la nation française avec Napoléon, parce qu'ils, ben non, l'Anglais, je vais donner le gros pipon. En 1835, pour abolir l'esclavage, ils demandent bibon et ils donnent bibon pour abolir l'esclavage. Donc, nous pouvons continuer pareil. Nous pouvons continuer et. Au final, nous avons un entrepreneur, un gros capital, un plus gros capitaliste dans sa pays-là. C'est juste un petit monde qui, si vous ne pardonnez pas de bon, je ne peux pas faire business. Je ne peux pas faire business si vous ne pardonnez pas de bon. C'est ça la conclusion. Là. Donc, la situation dans le pays est assez grave parce que nous, avec la situation sociale qui, pour ne pas vous détailler, nous pouvons aussi. Et la coupler avec un perte de pouvoir d'achat qui peut avoir plus de conséquences pour le monde qui plus au bas de l'échelle, et ne pas faire pour une solution concrète à un problème immédiat de son pays. Mon papa Baud, la politique crise sociale qui va nous ouvrir ici, il fait beaucoup de chez nous, là, ça, c'est la semaine qui est passée là. Pour rendre la parole à la présidente, et que laisse mon camarade Kogan à Baud sa politique. Crise sociale dans le pays. N'Port, au niveau international, fin marqué par plusieurs acteurs, dont un ouragan dans l'Amérique, et que là, il y a ma pial vers plus bas. Et l'indice montrait que, malheureusement, dans ma crise, qui peut arriver et qui peut continuer à arriver avec le changement climatique, c'est bandi moun qui vivent des dans des conditions précaires, qui des dans des conditions qui pas terribles, qui payent l'hypocrisie. À Moïse aussi, nous trouvons qu'il manque vision et manque sensibilité et intelligence fine amène un résultat qui bandi moun dans le gouvernement parti apparemment expect. Qui nous fin trouver comment fin malgré nous fin résulter nous trouver aussi hier exodi qui et ben les autres qui est responsable au niveau religieux etc. Pévin prend la parole pour dire pour rappel au bon sens et nous finir plaisir les autres commentaires par rapport à l'actualité et par rapport au fait que systématiquement, quand on prend une décision, il y a un manque de clairvoyance de part et d'autre. Donc, nous passons courant pour commenter l'actualité de la semaine. Une tension à Barclay, la butte
une vie confirme un malaise social qui existait à Maurice. Et c'est un malaise social qui, malheureusement, depuis l'indépendance, c'est un malaise social qui dépendant de qui s'en a au pouvoir et dépendant de qui prosait peut mettre de l'avant. C'est un malaise social qui n'a rien révéné, mais qui n'a jamais vraiment adressé. Et ce malaise social-là, qui n'arrivait à Barclay et qui la butte, mais il me montrait de façon tangible comment Maurice au bord d'une fracture sociale et comment une crise sociale, mais qui est provoquée par une raison économique, comment nous au bord de ce gouffre-là. La façon dont le gouvernement agit, mais aussi par rapport à tout ce qui peut passer depuis 2014 par rapport à l'action gouvernementale, fait qu'il y a des Mauriciens toujours bien en colère, qui Mauriciens en général, pas juste à Barclay et pas juste la butte, mais à travers le pays, il arrive un peu dans une limite tolérance et qui va des Mauriciens prêts pour révolter. Mais nous bizarre félicite les habitants de Barclay pour façon qu'ils ont une deal côté ministre qui descendent dans un autre endroit. Ils ont une garde, ils ont une dignité dans un moment extrêmement difficile et à travers ce message carré, ils ont une montrée politicien qui n'a pas payé à eux et qui les colcouillon enfermé depuis longtemps. Pour résistance et alternative, c'est pas nécessairement Rosé Métro Express qui racine sa ras-le-bol généralisée dans le pays là. Raison d'ailleurs sa ras-le-bol généralisée par pays là, dans le pays, c'est que Mauriciens ont toujours senti trahi par un gouvernement qui n'ose appeler l'Alliance des peuples. Un gouvernement qui n'ose faire le contraire de ce qu'il promet. Les peuples mauriciens sont-ils délaissés et pas sont-ils d'aucune façon prenant de la politique économique qui MSM, ML, PMSD et Crochibadin inappliqués depuis 2014. Sa politique économique là, c'est une politique qui, depuis le premier jour, l'Alliance des peuples, résistance et alternative, tout le temps dénonce sa façon de diriger un pays là, sa façon de travailler pour une minorité d'immunes et qui délaisse l'intérêt de la majorité. Nous finissons tout le temps de dire qu'il s'y continue dans sa logique gouverner, pas pour une population, mais gouverner juste pour bailler des fonds et gouverner pour petits copains. Mais qui une crise sociale, une dégénération du climat, une société, est toujours d'actualité. Et que ça qui peut passer en ce moment, il nous donne raison à résistance et alternative pour positionnement qui nous prend et un peu malheureusement la clairvoyance qui nous tient là par rapport à ce que ce gouvernement-là permet nous payer. Alors qu'est arrivé quand un gouvernement prend une décision juste dans l'intérêt de l'élite économique, alors qu'est arrivé quand vous faites un développement pour multimilliardaires étrangers,
et quand on complètement néglige aux populations. Alors qu'il arrive quand le programme ou gouvernement, c'est commission, le commission. Et alors qu'il arrive quand on travaille pour une minorité et qu'il ignore la majorité. La classe politique traditionnelle à Maurice, c'est tout le temps pour nous, Mauriciens, vous êtes acquis. Et de cette façon, nous faisons tout le temps pas de nous autres. Mais, ils ont dit, plus qu'ils aiment, ils n'arrivent pas pour nous autres une leçon. Et que sa élection partielle qui peut être dessinée à l'horizon, au numéro 18 là, c'est l'occasion parfaite pour que le peuple mauricien envoie un message bien fort à la politique et à la politicien traditionnel. Donc, beaucoup de façons, élection partielle numéro 18 pour un référendum. L'OSKI mauricien, il paraît pour venir sur les deux en politique traditionnelle. Façon qui va nous pour voter dans l'élection numéro 18, pour envoyer un message bien clair à la classe politique, mais aussi à la population en général, le code d'unité dans nos capacités à ne plus soutenir pour Itia et aussi à adhérer à un nouveau parti qui a une nouvelle façon, une nouvelle vision de une société. Et forcément, quand on a une période instable comme ça, ou pour tout cas été retour politique, pas hésiter pour une faire récupération politique. D'ailleurs, plusieurs nouveaux politiciens traditionnels ont démontré ce talent à terre pendant qu'ils ont fait un vaisseau à la butte et Berkeley. Et puis la plus grande photo politique qui n'a pas dans nous là. Et l'Iban, nous réalisons qu'en ce moment, il y a une campagne communication bien subtile, bien innovante, bien dire, l'Oban réseaux sociaux. Pour faire, dis-moi, croire que la popularité de Namin Angoulam peut monter. Donc, je connais qui je ne vais pas faire popularité. Je sais, Angoulam, avec ce équipe de communication, je vais dire que tout le monde se garde rapproché. Je n'ai plus capable de cause, bon, causer le lit en public. Je ne vais pas assumer. Je propose que je connais qui la population est totalement météoreuse. Donc, une façon qu'ils ont trouvé pour réduire le blason d'Avinangoulam et augmenter sa popularité, c'est à travers servir un monde qui est apparemment neutre, sur les réseaux sociaux, pour constamment flatter. Angoulam et essayer de faire remonter dans l'opinion qu'Ivan Mauricien en a de lui. Mais encore une fois, la population n'est pas couillon. 2014-2017, ça fait existe 3 ans qu'Angoulam délaisse sa position comme premier ministre de ce pays-là. Et que malgré tout, atrocité et toute une décision irresponsable qui sa gouvernement actuel là prend. Mais dis-moi, ne pas oublier qui l'héritage Angoulam qui quitté derrière lui. Et dis-moi, ne pas certainement pas peur de nous. Et qu'encore une fois, sa élection 2000 qui partielle au numéro 18 là, vous venez démontrer. Qui sa théorie qui se passait faire du monde penser qu'à cause de Jack Nat, sa popularité peut tomber, Angoulam qui pouvait remplacer. Mais l'élection partielle là, pour
la plateforme idéale pour venir démentir cette théorie-là et montrer que nous, en tant que Mauriciens, surtout une nouvelle génération, nous pouvons au-delà de ça. La loi inofficielle qui, si par Angoulam, les visa Jagnat. Et un dernier point qui nous tient bien abordé aujourd'hui, c'est par rapport à projet Métro Express. Et surtout, on trouve des trois politiciens, mais parmi Badin et Bizlal, le tandem de choc. Et je peux dire qu'ils ont fait un peu prendre l'aide au gouvernement indien et de là pour faire une pétition qui n'est pas voulu l'aide. Je ne connais pas qui politique je peux refaire d'un pays indépendant qui est souverain, qui a une constitution, pour bizarre guette l'aide pour résoudre un problème qui nous est là. L'aide est plus qu'il content pour finance métro léger. Et qu'en dette Maurice vis-à-vis. Et comme on dit là, mais vous voyez quoi avec un projet ou avec la banque? Parce que vous ne faites pas qu'il y ait pour moi, dans sa carte spécifique là, pour moi, un pays ami nécessairement. L'Inde, c'est un pays qui asie pour moi un banquier. Dans sa situation au Métro Express. Pas comment dire où pour avoir une pétition en tant qu'un parti politique à un banquier, que j'ai dit, mais retiens ton casse. Parce que si l'une de casse là, une de nid avec connaissance de cause, qui tu peux arriver derrière. Et il faudrait qu'il nous fasse le discernement entre la relation historique, amicale qui existait. Et qui toujours peut exister entre Maurice et Glenn, et un parti politique représenté par Modi, qui a la tête un pays qui a un agenda impérialiste sous lui. Il ne fallait pas qu'il nous laisse l'émotion prendre au-dessus la réalité ou la raison. Donc, attends, c'est comment dire, Bévin dire, qui, mais l'un qui vous décidez qui développement prenez à Maurice, c'est demain, vous n'avez pas envie de poser développement dans Maurice, mais vous avez un autre pays qui ne peut pas se poser, n'a aucune l'influence, le pouvoir, parce que vous avez un pays, vous avez un État indépendant et souverain de vos décisions. Donc, c'est totalement ridicule. Et puis mon rêve, la désespération de certains politiciens pour rester dans l'actualité, mais surtout, je vous propose un man affaire qui patine la route. En tant qu'un parti politique et aussi un politicien mauricien, mais vous avez résolu un problème au niveau de la constitution de Maurice, au niveau de la loi qui régit nos pays, et non pas à être censé un pays qui puissant, et censé lui qui pouvait décider si pour une ou pas pour une. Parce qu'il y a une première fois, nous l'aurions déjà dit. Le gouvernement de Modi, bien content qu'il s'est dit qu'il finance le métro express. Le gouvernement Modi, satisfait qu'il Maurice endetté vis-à-vis l'Inde, jusqu'à un endettement massif. Et que ce n'est pas une façon irresponsable qui. L'Alliance des peuples, il sait mettre ce projet Métro Express en action qui vous fait l'air et qui les aura posé là.
Et Alan, ça qui nous tient à plus dire par rapport à l'actualité politique que nous sommes dans les jours là. Et si la presse tient à quelques questions, désir, tu vois ça. Quand tu fais dire que c'est pas bien un référendum. Voilà, du jour aujourd'hui, nous prenons un candidat du gouvernement, alors c'est. Qui référendum là pour qui ça? On va demander qui ça pour plutôt voter, c'est évident, mais nous dans l'opposition de l'opposition, nous existe l'opposition pour le moment, les référendums avec l'opposition. C'est ça qui prend sa sens, ça va être du jour là aujourd'hui. L'absence du gouvernement, on lien bien aveu de faiblesse. Ça n'est plus d'accord, tout le monde qui suit politique à Maurice réaliser que si Pravin Jagnat n'a pas mettre aucun candidat dans l'élection là, c'est à cause qu'il connaît aucun bâté. Donc déjà dans un référendum là, le gouvernement, le MMM, le MSM, ML n'ont pas autant. Donc il finit exclure l'IM de ce référendum là, il finit dire que Maurice n'est pas d'accord. Mais c'est moi, pareil qu'en 2014, Maurice, tu connais qu'il n'est pas en vie. Il n'est pas tu en vie Rangoulam et qu'il n'est pas tu en vie ça, l'Alliance pour le travail, MMM là au pouvoir. Seulement, il ne fait juste la moitié chemin. À cause, il ne connaît pas ça qui est parti bon, mais quand il y a pour choisir qui ça a envie de mettre à la tête du pays, il est du coup d'accord que le peuple il ne fait le mauvais choix. Donc, ça, l'élection début partielle 2018, là, il y a une façon pour que la moitié de travail qui est complété en 2014, là, qui le peuple complète ce travail-là, c'est-à-dire, il n'est pas juste via sur les deux avec un gouvernement qui ne vient sur les deux avec le peuple, mais la population, à travers un habitant de Quatre Bornes, vient faire l'autre la moitié par là. Pour passer via les deux partis traditionnels qui le fanaient, mais aussi via le deux avec tout un des traditionnels qui, à travers les 10-20 dernières années, apportent décevoir à la population et travaillent pas dans son intérêt. Ils n'ont pas fait d'autres affaires. Donc, quand on peut dire référendum, c'est aussi ok, pas pour un candidat gouvernement, mais est-ce que ça va être parti traditionnel là, c'est eux qui pourraient gagner l'élection encore une fois. C'est ça qui a été référendum là qui nous peut causer. Et d'une certaine façon, aussi, quand on peut ajouter le suffrage de tout un parti non traditionnel, il faut bien guetter si la majorité dit oui, il ne veut pas de parti traditionnel ou pas. Donc il y a une élection à plusieurs niveaux,
Et parce que si ça n'a pas gagné ou pas, les vins comme quand vous mettez tout le parti et mes agents, je te vote ensemble, est-ce que ça dépasse 50%? Si ça dépasse 50%, il y a un message faux. La première fois dans l'histoire Maurice depuis l'indépendance, qui va le parti dit traditionnel, MMM, MSM, Bloc Travailliste, PMSD, pas une récolte plus que 50% de vote. De point de vue résistance, qui est MSM présent en campagne ou pas, il n'y a pas fait grande différence du fait que nous pouvons combattre depuis l'existence résistance, nous pouvons combattre même pas dit traditionnel. C'est-à-dire comme même ce qui nous répond, c'est MMM ou Travailliste ou PMSD, et même jusqu'à un certain niveau, ce qui nous répond, même Reform Party, mais même ZAPN nous répond MSM. Et que là, l'absence MSM n'est pas sans grand-chose dans ce combat-là, parce qu'il ne faut pas croire dans du monde. Il ne faut pas trouver du monde, moi, dans le terrain, il ne faut pas trouver du monde, moi, qui peut dire que MSM est capable de représenter un challenge dans cette élection-là. Quoi qu'il arrive, MSM, vini par vini, correction pour gagner dans l'élection-là. Justement, il y a deux semaines, quand on présente une situation économique, le move de la banque de Maurice avec ce military policy, il étonne-toi, si tu perds dans le bon sens, parce que c'est cause d'inflation, tu peux dire, tu inquiète un peu, oui. Ben, si nous avons ça qui rapport FMI, il dit à le Maurice, il dit que Maurice bizarre tighten monetary policy. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas si mon interprétation économique pareil pour moi la banque centrale, et tout du monde qui a une notion de l'économie connaît qu'on peut dire tighten monetary policy, c'est veut dire bizarre augmente de l'intérêt. Moi je pensais que sa position FMI là était un peu pas nécessairement correct, parce que pas nécessairement trouver qui fait un petit peu bizarre augmente de l'intérêt, mais par contre la famille a raison, l'inflation excessivement forte à Maurice, ethnoconique qui fait défaut, et que ça mouvre de la banque de Maurice là, à l'encontre de l'intérêt de stabilité des prix à Maurice. Là, pour une nouvelle flambée des prix encore, et à cause de nous, l'avenir économique est bien sombre pour les Mauriciens. Nous connaissons l'avenir économique, il ne faut pas nous dire la croissance, nous disons que c'est le coût de la vie. Aujourd'hui, il est extrêmement cher pour 90% de Mauriciens vivent à Maurice. Et sa décision de la Banque centrale là, pour Vinzis, empire les choses. C'est ça qu'ils ont une exposé, c'est exactement ça qui peut arriver. Nous avons interprété comme le deuxième cadeau qui donne le secteur expo. Il y a une baisse de corporate tax à 3%. Là, moi, j'ai une paix. Rébalancer un peu, je la caisse. C'est le deuxième cadeau que le gouvernement fait en quelques mois là. En fait, quand on était quand même plus loin de dire, vous savez, avant que le gouvernement prenne sa mesure là, il n'a signalé dans le budget qu'il n'a pas gagné aucun part d'augmentation de profitabilité là. Il y a 15% qui se posait, oui, nous pas là. Une destinée qui élimine pratiquement 0,3%, à ce stade là, il peut prendre une mesure pour augmenter la profitabilité là. Donc, on va dire que les gens, avant qu'il prenne une mesure pour augmenter la profitabilité, là, il n'a rien dit qu'il n'a pas gagné dans le monde. Et qu'il ou paye les conséquences. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write. How to win. And how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?